quelques semaines. Et on était donc très heureux de faire quelques villes en France durant les mois d'octobre et novembre pour vous rencontrer. On se parle beaucoup sur Internet et c'est bien d'avoir de voir vos visages et de pouvoir répondre à vos questions. Je pense que vous êtes très désireux d'avoir des informations sur cette affaire. Et nous aussi, on est dans un questionnement permanent. Et plus on avance dans cette affaire de Nazca, et plus on a de nouvelles questions. Et je pense que les dernières analyses, celles qui sont actuellement en train de tomber, sont en train de nous apporter des questions vraiment très, très passionnantes, et tellement passionnantes d'ailleurs, et lourdes d'implications, qu'on relance actuellement de nouvelles analyses contradictoires pour être sûr de ne pas présenter de fausses analyses ou des analyses mal interprétées dans les semaines qui viennent. Et on s'était dit donc qu'il fallait absolument que l'on parvienne à se connecter avec le Wakero qui avait réalisé avec ses amis cette découverte. Au début, Paul Roncero nous avait parlé de décembre 2016, de 2016, début 2016, et Mario, le fameux Wakero, nous a expliqué comment, dans le courant de l'année 2015, il avait découvert une tombe qui lui semblait Nazca et qu'il avait dégagé le matériel et trouvé une entrée au fond de cette tombe avec une porte qu'ils se sont acharnés à ouvrir avec ses camarades et ils sont tombés sur des escaliers, puis une première salle et puis l'histoire, je pense que vous la connaissez tout comme moi. Et donc, tous les domaines. Il y a mon ami Michel Ribardière qui a fait avec son équipe un document pour les autorités françaises et c'est un document qui peut-être à l'avenir peut servir de base à d'autres gouvernements pour savoir quelle attitude prendre par rapport à cette information. Parce que si le cas est réel, moi je ne doute pas que avec le temps, ce sont des évidences qui vont s'imposer au monde, parce qu'il y a du matériel, le matériel il est à la disposition des chercheurs. Nous on a vraiment depuis le début essayé de faire un maximum de transparence. Si le matériel que l'Institut Incari a réussi à étudier existe, cela signifie qu'il y a peut-être dans d'autres parties du Pérou, dans d'autres parties du monde, d'autres cas similaires à Nazca. Il y a des rumeurs en Égypte, par exemple, dans les années 60 ou dans les années 90, qui ont été occultées. Et l'épisode a dû se répéter un peu dans différentes parties du monde. Quelles en sont les implications? Ce n'est pas le rôle de l'Institut Incari d'en décider. Nous, on n'aura été que des messagers, finalement, et c'est vraiment une information qui appartient à tout le monde. Et je ne pense pas non plus qu'un gouvernement, qu'il soit français, péruvien, viendra reconnaître la réalité de cette affaire. Et c'est, je pense, à la base, c'est-à-dire les citoyens du monde qui devront peut-être faire pression et changer les mentalités. Voilà. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure avec Alain, on tenait vraiment à venir vous rencontrer, à vous remercier, parce que c'est vraiment vous qui avez déclenché tout ce qui a pu être engendré par le crowdfunding. Et on est tous vraiment responsables, on peut être fiers, vous tous, nous tous, du travail réalisé ces derniers mois dans cette affaire. Et nous, on a plutôt l'impression que le curseur penche plus vers une histoire authentique